Coucou les amis, aujourd'hui on part dans la savane africaine pour un livre qui s'appelle Le jour de la gazelle. Le jour de la gazelle, écrit par Pascal Brissy, illustré par Sylvain Dièze. Un bruit. Le lion est à la chasse. Le fauve se cache dans les roseaux. Il guette une gazelle au bord de l'eau et s'en lèche déjà les babines. Sa proie ne se doute de rien. Sûr, l'affaire sera réglée en 3 coups de dent. Attention, le lion bondit. Mais soudain, la gazelle s'écarte pour protester d'un cri. Stop! Le lion sursaute et répète stupéfait. Comment ça, stop? Ni une ni deux, la gazelle s'exclame en colère. Non, mais je rêve! Vous n'avez pas entendu parler du jour de la gazelle? Voyant l'air bêta du lion, elle poursuit. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Vous devrez prendre soin de moi jusqu'au coucher du soleil. Nous autres, gazelles, avons assez de soucis tout le reste de l'année. Quand tout d'un coup, deux hyènes sortent de leur cachette, toutes griffes dehors. Mais le lion leur barre le passage aussitôt. Stop! Jour de la gazelle! Les nouveaux venus restent interloqués. Ils déclarent bientôt en faisant marche arrière de peur de passer pour des idiots. Ha ha! Jour de la gazelle! Ha ha! Où avions-nous la tête? Bonne journée, mademoiselle! Un peu plus loin, la savane voit défiler le drôle de duo. Une gazelle escortée d'un lion. C'est assez étonnant. Un éclat de rire interrompt nos amis. C'est un léopard. Et le félin se moque et se roule sur le sol. Ha ha! Regardez ces deux-là! Alors la gazelle tourne la tête et commence à bouder. Vite, le lion se précipite d'un air affolé. Arrête, malheureux! Tu ne sais pas que c'est le jour de la gazelle? Le léopard en reste bouche bée. En apprenant la consigne, la gazelle en profite pour demander « Eh bien, mon ami, rendez-vous utile, allez me cueillir des fleurs !» Le léopard grogne, prêt à se fâcher. « Des fleurs, et puis quoi encore ?» Mais face au regard du lion qui trottine, prête à protéger comme un toutou, il préfère obéir avant de déguerpir. « Pouah! Bon débarras !» Un moment plus tard, c'est un crocodile en quête d'un déjeuner qui s'ajoute à la fête. Le croco sort de sa rivière et croit rêver. Une gazelle. Miam, quelle aubaine! Mais une fois encore, le lion refoule tous les gourmands. Taratata, jour de la gazelle, on ne passe pas! Et puis, personne n'a le droit d'approcher à moins de 3 pas d'éléphant. Hélas, toutes les bonnes choses ont une fin. La journée s'achève avec les derniers rayons du soleil. Le lion, patient un jour entier, marmonne aussitôt dans ses moustaches. Hé hé, je vais me régaler. Un, deux, trois, voilà. Le lion ouvre grand la gueule en se disant « Attends !» Ah non, pas question. Maintenant, c'est la journée du lion. Le seul jour de l'année où ils sont sages.
comme des images. Elle est maligne, notre gazelle. Allez, bonne journée!